Das ist ein Befehl! Sous-marin pour madame. Emballé, c'est pesé. Bon boulot, capitaine! On est en route! Gardez ce canal ouvert pour qu'on puisse repérer votre signal. Hey, capitaine! Vous avez volé le marteau d'Eva! C'est le sous-marin le plus puissant de toute cette satanée flotte allemande! Et le mieux, c'est qu'il y a un canon nucléaire à bord de cet engin! Un putain de canon nucléaire! Intégrité, ce gars, le capitaine du sous-marin. Il a préféré mourir plutôt que de lâcher son vaisseau. Il a emporté les clés de décryptage du canon dans sa tombe. Il marchera pas. Les obus normaux aussi, mais pas les ogives nucléaires. Pourquoi vous vous êtes sacrifié comme ça, capitaine? Ça ne nous aide pas. Avec ces clés, on aurait pu foncer jusqu'au boucher et anéantir sa base entière. En finir une bonne fois pour toutes. Bien, on n'a plus qu'à trouver ces clés. C'est bien le problème. Impossible de trouver les clés de décryptage nucléaire sur cette planète. Elles sont stockées sur leur base lunaire. Les capitaines doivent les apprendre par cœur.
Bien évidemment, il n'y a aucune base pour sécuriser que celle de la Lune. C'est sur cette base que les nazis mènent toutes leurs recherches. Bien, j'irai sur la Lune alors. Je connais pas. Caroline et Anya sont en train d'élaborer un plan au QG. Yendalar, on est arrivé. Ce refrain quand j'étais jeune. Il y en a plein d'autres pour toutes les portes. Ah, il y a quelque chose qui bouge. Vous devriez vous écarter. Allez. Bon sang. Regarde ça. À transmettre notre savoir au gouvernement luttant contre les nazis. Nous étions confiants jusqu'à ce que l'ennemi lâche des bombes atomiques. Tous nos espoirs sont partis en fumée. Je me souviens du temps passé quand la Tassierut se rassemblait dans des endroits comme celui-ci, plein de vie et de merveilles, pour percer les secrets de la nature. Mais aujourd'hui, nous pourrions bien être les derniers à venir ici. Ah, nous y voilà. Voyons un peu. Attention. Blablabla, blablabla. Allez-y, entrez. Répétez ça. C'est un sas de décompression, vers la grande salle. Est-ce que vous avez dit attention? Allez savoir, ces instructions datent un peu. Allons-y. On passe par là pour aller à la grande salle. Je ne reconnais pas ces symboles. Voyons. Qu'est-ce qui se passe? Blaskovic! Qu'est-ce qu'on... Mais, capitaine, vous y allez et je vous suis? C'est un endroit très impressionnant. Puissant. La recherche magnétique, c'est... Qu'est-ce que c'est? Vous êtes prêts? 1, 2, 3, go! On dirait... Monsieur Paskovitz, montrez-moi votre arme laser. Là, ce prisme de la Dacirod permet de basculer le rayon laser de votre canon sur la bonne fréquence. Voilà, vous devriez pouvoir charger les bobines magnétiques. Vous les voyez? Tout là-haut. Je vais essayer de réparer cette machine. Mais comment c'est possible? C'est un endroit très vieux, parmi tant d'autres. La Darcy-Creuse a bâti ses cassettes avant que l'homme n'invente la console. Quand les gens se rassemblent pour la même cause, tout devient possible. Vous comprenez? Hein?
Et maintenant, on monte. Allons-y, Shimshon.